la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Avec Landscape, Maite Chuecheberia s'offre une échappée landaise qui prend sa source en Roumanie. À l'époque, la jeune femme photographie des décors de cinéma dans ce pays de l'Est européen devenu la mecque des tournages de films. Quand la maison de la photographie Félix Arnaudin m'a proposé une résidence autour de la Bouère, j'y ai vu une opportunité de travailler sur le paysage, explique-t-elle. Une envie sans doute de sortir du studio de cinéma, le lieu absolu de la fabrique de l'image qui est aussi un monde en soi. Je me suis dit que cette forêt landaise, une forêt artificielle imaginée par l'homme, j'allais la prendre comme un décor. Sa première photographie sur place est celle d'une station-service des années 70 à l'abandon. C'était extraordinaire, j'avais un vrai décor avec des stickers de forêt landaise collés sur les vitres de la station-service. Une mise en abîme du paysage mais aussi de la photographie. Ensuite, l'artiste est revenu à plusieurs reprises dans cette haute lande aux paysages façonnés par la main de l'homme. Rails de chemin de fer, pylônes électriques, bagnoles, exploitations agricoles ou forestières, des paysages parfois peuplés d'humains. Pour Maite Chuecheberia, qui travaille à l'Argentique, cette première série sur le paysage réalisée en 2014 a ouvert la voie vers d'autres paysages. Une échappée landaise aussi lumineuse que fondatrice.